L'ange numéro 68, Habuya. Il régit du 25 au 29 février. C'est un ange de guérison qui nous aide à guérir et retrouver l'équilibre suite à une phase difficile. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Guérison. Touche l'ensemble des professions du domaine de la médecine et de la thérapie, y compris les soins et les traitements de guérison énergétique, métaphysique et spirituelle. Capacité de restructurer et de réglementer les désirs. Aide à s'ajuster aux normes divines. Rééquilibre les déphasages et les décalages. Aptitude à se réharmoniser lorsqu'on n'est plus dans la synchronicité. Aime la nature, la vie à la campagne et les espaces libres. Agriculture, récolte, expertise, agricole. Nature fertile, pouvoir créateur. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Difficulté à comprendre la maladie et la guérison due à un manque de connaissances, de sagesse et à l'incompréhension des causes métaphysiques originelles. Faux guérisseur, charlatan. Personne perdue dans une multitude de besoins et désirs. Décalage, déphasage, manque de synchronicité, difficulté à être au bon endroit, au bon moment. Double vie, décalage entre les pensées et les émotions. Déphasage entre d'une part ce que l'on souhaite être et faire et d'autre part ce que l'on est et ce que l'on fait. Pour les femmes, tendance dominatrice. Pour les hommes, tendance à se laisser dominer par les femmes. Réticence à abandonner les vieux privilèges. Terre infertile, famine, misère, pollution, invasion d'insectes. Maladie contagieuse, épidémie.
nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Acné. Ambiguïté, situation ambiguë. Amour de la nature. Anorexie. Arthrite, arthrose, rhumatisme. Béatitude. Blessure, guérison des blessures. Boulimie. Brûlure. Cancer. Décalage entre pensée et émotion. Dents. Désir, ajuster et réglementer les désirs. Douleur. Dyslexie. Embonpoint. Fibromyalgie. Fièvre. Gencive. Germes, microbes. Infection, inflammation. Infertilité, stérilité. Ingratitude. Jardinage. Kyste. Loi, respect des lois. Maladie en général. Microbes. Migraine. Muqueuse. Parasites. Peau. Poumon. Principe masculin et féminin. Récolte. Refroidissement. Les reins. Responsabilité, fuite des responsabilités. Rétention. Réunification des qualités du corps et de l'esprit. Rhume. Santé. Sentiment refoulé. Sinusite. Stérilité. Infertilité. Synchronisme. Synchronicité. Douce pensée angélique.